J'arrive! Bonjour tout le monde! Peter, tu pourrais m'enlever la lumière qui est juste devant là-bas parce que je ne vois pas qu'est-ce qui me. Alors, attends, j'ai eu direct. Voilà, je suis un petit peu quelques minutes en retard, je suis désolée. Ça, c'est l'aléa du direct. Tu peux mettre, Victor, à ce que je vois bien entièrement sur ma télé, savoir qui est-ce qui est connecté. Bonjour Christine! Victor, tu as juste la lumière devant. Tu peux me l'enlever, ce serait bien. Bonjour Valérie. Devant, tu peux me le retirer? Là. Voilà, celle-là. Puis mettre le cadre, ce serait bien aussi que je puisse voir exactement le cadre et les. Oui, le cadre, que je puisse me voir dedans aussi en même temps. Voilà, donc c'est les petits réglages qu'on fait pour le moment. Voilà, que je puisse voir réellement. Voilà, je vois un peu mieux tout le monde parce qu'il m'a mis ça en gros et je vois pas. Voilà, les petits réglages à faire. Ah, bonjour Anne. Bonjour Amounette. Bonjour tout le monde. D'Avica de la Savoie, nous on se fait des gros bisous. Victor est derrière moi. Tu pourrais mettre Victor à ce que je vois aussi en même temps. Je me vois je dedans. Peux pas. Je peux pas. Ça sera non, trop je peux pas. Je ne peux pas me voir. Le direct, mais je vois ce que vous pouvez marquer. Comment ça va les vacances? Ça s'est bien passé? Vous avez passé de bonnes vacances? Ça y est, prête pour la rentrée? Peut-être c'est déjà certaine déjà? C'est quoi déjà? Il y en a qui travaillent déjà. Donc on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. Est-ce que. Attends, descends un petit peu, Victor, parce que je vois pas tout. Tu peux descendre un petit peu départ, voilà. Bah, le mettre un peu petit. Il est tout le monde. Le mettre un peu plus hein, les écritures, que je puisse voir comme tout à l'heure sur le côté. Parce que sinon, je ne verrai pas tout le monde. En train de régler tout ça. Voilà, je crois que c'est mieux comme ça. Mais par contre, je suis d'habitude de travers, moi. Je ne sais pas si tu peux le. Voilà, mais ben, c'est pas grave. Est-ce que. Bonjour Laetitia. Est-ce que parmi vous, certaines. Là, on est déjà. Combien on est, Victor? 30. Une trentaine. Alors, j'aimerais savoir si vous avez préparé les ingrédients qu'il faut pour cuisiner avec moi. Vous l'avez dit, je vais cuisiner avec vous et pas faire que moi en direct. Est-ce que vous êtes prêtes pour commencer les recettes? Mamounette, Anne, Valérie, Christine, Laurencie, Laetitia. Est-ce que vous êtes prêtes pour qu'on puisse commencer? Tout le les mages de travers, voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Tout le monde va de travers, Victor. C'est que je peux pas le mettre droit. Ben, ce serait bien parce qu'ils vont tous se prendre sur la. C'est de travers apparemment. De là-bas, sur le temps de l'ordinateur, tu peux pas le mettre. Pour l'instant, je suis un téléphone. Non, mais là, il faut encore de travers. C'est normal, c'est un décalage. Alors attention, déjà. Je me remets droite. Est-ce que ça marche? Apparemment, non, je suis toujours. C'est normal, c'est un décalage. Ah, ça y est, je suis revenue à la normale. Vous voyez tous bien droite là? Ça serait mieux pour tout le monde. Donc, bien. Ah, super Anne, Laurence aussi. Ça marche, allez. Non, non, ça ne vient pas de toi, Mamounette, ça vient de nous. On a des petits réglages à faire au départ. Voilà, c'est bon.
Sandrine, ok. Alors, qui est-ce qui a acheté les ingrédients pour cuisiner avec moi? Qu'est-ce qu'il fait avec moi en direct? Personne? Alors, aujourd'hui, on va commencer. Alors, Victor me dit, regarde là, l'image est de travers. Ah, laquelle image qui est de travers, Victor? L'image est de travers. Ah non, là, elle est normale. Moi, c'est normal chez moi. Sandrine, Valérie, Maminette, c'est travers chez vous aussi ou c'est tout le monde ou c'est que Christine? Alors, l'image est toujours de travers? Moi, je suis droite, hein. Non, c'est bien. Donc, à mon avis, tu dois peut-être avoir un petit problème, Christine. Petit problème de réglage à faire. Valérie, c'est bon aussi. Laetitia aussi, c'est droit. Oui, ben oui, voilà. Ah, tu vois en petit, mais droite. Ah, Victor, tu ne peux pas grossir l'image. Moi, je vois un petit une droite. Ouais. Est-ce que tu ne peux pas grossir l'image? Et là. Oh, c'est pareil. Ah, là, c'est un peu mieux, mais est-ce qu'ils vont bien voir ce que je fais? Oui. J'espère que vous allez bien voir ce que je fais. Ouais, surtout ça. Est-ce que vous êtes prête? On va dire ensemble intro. Vous êtes prête? Marquez tous intro sur dessus. Prête? Allez, intro, on y va. Tu dis direct, hein? Voilà, intro, c'est bien. Tout le monde intro. Je suis prête, intro. Tout le monde est prête? Intro, c'est super. J'ai pas la musique, mais on se la fait dans la tête. Donc, on va commencer par faire un gratin de courgettes aux chèvres. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont acheté les ingrédients? Mamounette, Laurence, Anne. Tout le monde. Intro, Elisabeth, c'est vrai, intro, allez, intro, tout le monde, en cœur. Alors, je vais faire. Alors, moi, je vois un petit peu en recalé aussi, je vois alors. Hein. Je vois un petit peu en décalage, donc voilà, je ne sais pas si ils versent en même temps que moi. Ou... Non, Mamounette, ça n'est pas Mamounette. Pourtant, Victor, il avait dit depuis moins une semaine, hein, je crois. Il a mis tous les ingrédients justement pour qu'ils puissent le faire ensemble. T'as juste les courgettes, ma mounette. Ben écoute, on va essayer de se débrouiller avec les courgettes. Est-ce que tu as du fromage râpé? Il faut de la crème fraîche. Tu en as tout ça? Ah par contre, j'avais laissé ça Victor au frigo. Je vais le récupérer. Ah, j'ai besoin de 2 minutes. Parce que la Attends, marque cartonne. il faut pas attendre que ça soit La mascarpone doit être au frais, au frigo. Donc je pars la chercher pour faire la recette. Pas Donc voilà, il faut de la mascarpone. Les recettes, Victor, elle avait mis les ingrédients pour faire la. On va commencer à faire notre four à 180 degrés. D'accord? Et je vais commencer à travailler avec le Compact Cook Elite. Comme ça, si vous le faites à l'élite, vous pouvez le faire aussi avec le pro sans aucun problème. Alors, comme il demande le sens inverse, et que le compact l'élite l'a pas, moi je mets la palme de mélange. Si je vais trop vite, oui tu le feras plus tard, tu verras mon aide, c'est pas compliqué du Il tout. aura le replay. Il y aura le replay, de toute façon Victor va le remettre. Donc je prends la palme de mélange parce que celui-là l'élite n'a pas le sens inverse. Alors est-ce qu'il y en a qui le font avec moi en direct? Parce qu'il faut me dire si je vais trop vite ou pas. Est-ce qu'il y a qui le font avec moi en direct? Non? Alors, je me regarde là et je regarde en même temps là. Donc là, on va commencer à par mettre le couteau. Alors, je suis en même temps ma recette parce que malheureusement, je ne la connais pas par cœur. Je n'ai pas une grosse tête. Et là, on va commencer à mettre les gousses d'ail. Il en faut deux en morceaux. Un oignon coupé en deux. Voilà. Moi, j'ai commencé à l'éplucher avant parce que sinon je vais pleurer et
C'est fini pour le direct. On ferme tout ça dans l'élite. Et on va mettre ça. Alors, si je vais trop vite, vous me le dites. Hein. 5 minutes. Excusez-moi, 5 secondes, vitesse 5. Donc, on va mettre 5 secondes. Mais je vous montre ou pas? Est-ce que vous voulez qu'il vous montre ou ça va aller? Parce que ça va être. Alors, vite, on va essayer de vous montrer en direct quand même. Alors, 5 secondes, vitesse 5. C'est parti! On ouvre le couvercle, on racle les parois qu'il y a dedans. Alors, si je vais trop vite, vous me le dites s'il y en a qui le font en même temps que moi, hein, surtout. D'accord? On va rajouter de l'huile d'olive. Alors moi, je cuisine beaucoup avec l'huile d'olive. Environ 10 grammes. Hein. Donc, on met tout ça dedans. Et là, on va mettre, on ferme le couvercle. On attend un petit peu peut-être. Alors, si je vais trop vite, vous me le dites. Hein. D'accord? Je vais mettre 3 minutes. Attendez, je prends mes lunettes parce que je suis un peu bugueuse avec l'âge. Je vais mettre 3 minutes. Alors, 3 minutes, on appuie là, on va tout au zéro. Hein. 3 minutes, deux fois. On va mettre 90 degrés dans le temps qui est là. 90 degrés. Et on va faire la vitesse, là, 1. Donc, comme c'est déjà mis. Voilà, pendant 3 minutes, ça va rissoler dans le bol. En attendant, vous prenez vos courgettes. Alors moi, j'ai fait un peu ça en avance hein, pour gagner un peu du temps. Et vous les mettez comme ça en rondelles. Vous voyez, regardez, des petites rondelles comme ça de courgettes. Alors, tout ça, la crème fraîche, ma casse-pomme, c'est plus tard. Je vais de l'autre côté. Si je vais trop vite, vous n'hésitez pas à me le dire surtout. D'accord? Est-ce que si vous avez bien compris? Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Victor est derrière bonjour moi. Bonjour tout le monde, bonjour Tarek. Bonjour tout le monde. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Tarek. Est-ce qu'il y en a qui cuisine avec moi en ce moment? On m'avait dit, Francis fait un repas un petit peu avant de manger. Ben, c'est ce que je fais, alors j'espère que vous aurez le temps de le faire avant de manger ce soir. Combien de courgettes? 500 grammes de courgettes. En moi, ce qui va là un petit peu pour 4 personnes. Voilà. 500 grammes. Ce que je vous donne là, c'est pour 4 personnes. Voilà. Si vous voulez moins, ben, vous faites la moitié. Si vous voulez plus, ben, faites plus. Hein. Bonsoir, Andy. Alors, si tu copies la recette, Mamounette, je vais y aller doucement. Je vais te redire les ingrédients. Je vais redire les ingrédients pour ceux qui ne l'ont pas. Il vous faut un oignon jaune, 2 gousses d'ail, 10 g d'huile d'olive environ, 500 g de courgettes, du sel, 200 g de crème fraîche épaisse, un œuf, une pincée de poivre, une pincée de muscade moulue, un peu de bûche, c'est bûche de chèvre, et 40 g d'emmental râpé. Et est-ce que j'étais trop vite? C'est vrai, la cuisine française, elle est géniale. Ah ouais, ouais. Alors, est-ce que j'ai pas été trop vite? Vous me le dites. Est-ce que ma monnaie, t'as tout copié? Son vitron mettra en dessous, de toute manière. Hein, les ingrédients. Super, ah ben ça va alors. Donc, il me reste environ allez, 20 secondes. Et on va rajouter les courgettes dedans. Les Victor, tu vois ce que tu me dis? Il y a un concours aussi. Oh, ben, le concours, on en parlera tout à l'heure, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'est bon, on est à noter? De toute façon, il y aura encore les ingrédients en dessous et on vous marquera tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, il reste 2 secondes. 1, 0.
C'est parti. Donc là, comme l'élite n'a pas le sens inverse, alors on va essayer de vous montrer le plus possible. Moi, je vais mettre la palme de mélange dedans. Voilà. Et je vais rajouter. Alors pourquoi palme de mélange? Ça évite de faire de la bouillie. Donc là, je rajoute mes 500 g de courgettes en rondelles. Voilà, jusqu'ici c'est facile. On rajoute du sel et du poivre. Allez, hop, un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Jusqu'ici c'est bon. Je referme le compact cook et là, je vais le faire cuire mes courgettes. Victor, tu peux te rapprocher si tu veux? Viens vers moi. Désolé si là je suis mal, hein, parce que C'est du direct, hein? j'ai d'un bout à l'autre, j'ai plein d'obstacles. Regardez. Là, on va le faire cuire 10 minutes. Donc, appuie deux fois. 10 minutes. 100 degrés. Alors, 100 degrés. Sens inverse, mais comme on n'a pas, on a mis la palme de mélange. Alors moi, je laisse à 1. On va faire cuire doucement. Voilà. Regardez, ça va. Et en laissant, bien sûr, le godet ouvert. Alors, Victor vous montre un petit peu dedans. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Christine, non. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Christine? Non. Quelque chose que tu n'as pas compris? Lui, elle est très simple et très pratique. Moi, je suis simple et pratique. En cuisine, hein, je parle. Bon, je suis pas toujours simple non plus, hein, dans la vie courante. Hein. Allez, hein. Donc, est-ce que vous avez jusqu'ici des questions à me poser sur la recette? Quelque chose que vous n'avez pas compris? N'hésitez surtout pas. Profitez que je sois là pour poser des questions, mais pas trop trop non plus, parce que sinon j'ai pas mal un gros set ce soir pour dormir. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici? Au niveau calories, bah écoutez, c'est des courgettes, oignons, pour l'instant c'est bien. C'est vrai qu'après on va rajouter un peu de crème fraîche, ça sera peut-être un peu moins bien, mais de temps en temps, hein, se faire plaisir, c'est pas de mal non plus, hein. C'est pas ça qui va vous faire prendre 10 kilos, rassurez-vous. Au niveau calories, il n'y a pas grand-chose. Après, il y a un peu de crème fraîche à mettre dedans, mais. Eh, on ne peut rien faire sans crème fraîche. Il y en a qui cuisinent en même temps que moi ou pas là? Parce qu'après, on fait un super tiramisu à la fraise. Oh, Victor, t'as un peu fait casser là. Oh là, c'est rien. Attends, je n'étais plus sûr que j'appuyais là. Je peux plus rien. C'est rien. C'est le trépied qui est tombé. Ah, Victor, je ne vois plus rien là, Victor. On est dans un petit studio, alors c'est vrai qu'on est un peu étriqué. Pascal, bonjour. Après, oui, vous allez voir, mais Andy, elle est pressée. Oui, on va le faire gratiner au four. Vous faire chauffer votre four à 180 degrés, là. Et après, on va le mettre au four. Bonjour, Folio. Ah, excusez-moi si des fois j'écorche votre prénom. Oui, ben, Mounette, il faut être patiente. Je donne faim, je sais. Ouais, c'est de la direct. C'est vrai que c'est pas facile de cuisiner comme ça en direct. On a un petit studio, donc on fait un peu ce qu'on veut. Voilà. Donc il reste 7 minutes. Si vous avez des questions à vous poser, alors pour l'instant, j'ouvre un petit peu, vous avez le bol, puis je rabats un petit peu les oignons qu'il y a dedans. Voilà. Donc tout soit bien mélangé, parce que vas-y, touche-toi. Vous n'avez pas l'odeur, mais moi je l'ai, hein. Sincèrement. Comme dit Francis, c'est une tuerie. Hein. C'est reparti. Alors, faut laisser le couvercle ouvert, c'est pour que l'air
L'humidité s'échappe un petit peu. Oh mince, j'ai mal cadré. Ça sent bon Valérie, hein, alors je te propose que tu peux sentir. Bah, si, tu le fais Valérie en même temps que moi? Ah peut-être que tu fais en même temps que moi, si ça, je m'excuse. Hein. Il n'y en a pas une qui s'est mis avec moi en ce moment à cuisiner. Non? En direct, personne ne le fait avec moi. Est-ce qu'il y en a qui me suivent depuis longtemps sur YouTube, sur Facebook? Est-ce qu'il y en a qui me suivent depuis longtemps mes recettes? Ou s'il y a des nouvelles qui sont venues ces jours-ci? Ah, tu fais avec toi Valérie? D'accord, c'est pour ça que ça sent bon. Je me comprends mieux. C'est bon au niveau du son? Le son, ça va? Vous entendez bien? Tu as quoi Valérie? Le compact ou le lit? Lequel que tu as? Vous avez lequel? C'est lequel, le compact ou l'élite, hein, comme moi? Depuis un mois, tu me suis, c'est bien. Continue, il y a plein de recettes. J'étudie la cuisine et les réfléchissants et je t'aime vraiment. Tu me fais chaud au cœur. Tu sais, j'ai pas une âme de la cuisine. Hein. Si je sais le faire, vous pouvez le faire, hein, sincèrement. C'est ça que je serai. L'élite, ouais. Des sablés, bah oui, on fera en direct des sablés. Bonjour Christelle. On fera des sablés ensemble, pas de souci. Dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse ensemble en direct. Moi, je suis là pour ça. Hein. Il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est un plaisir de faire connaître ça avec tout le monde. C'est depuis un mois, tu vois, j'ai cuisiné, j'ai au moins plus de 240 recettes. Alors, les premières recettes, je répète, elles ne sont pas terribles. Ouais, c'est les premières vidéos, j'ai débuté. Pas top, t'es pas équipé. Là, ça va un peu mieux. Voilà, je prends un peu plus d'assurance. Bonjour Christelle. Bonjour Christine. Il y a Christine aussi qui me suit depuis. Christelle. Alors, je sais plus où j'en suis, j'ai tellement de monde. Capable du pack à peu chaud, ouais. Mais sans concours, moi. Du pain. Oh, on pourra faire le pain ensemble aussi, ouais. Des petites boules de pain aussi. Super bon ça aussi à faire. Le gâteau nectarine, tu l'as fait Pascal? Bonjour Pascal, alors, il était bien? Il était bon? Bonjour Cécile. Cécile. Il était bon mon gâteau nectarine? J'ai fait aussi un clafoutis au nectarine, un tiramisu au nectarine, que Victor a encore deux vidéos à monter. Vous allez voir, ils sont super bons. À dente, normalement c'est pour les pâtes à dente. À dente, c'est pour les pâtes Victor. Prochaine vidéo. Coucou Cécile. Alors je sais plus si j'ai déjà dit bonjour, il y a beaucoup qui me disent bonjour donc. Oui. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse aussi la recette des pâtes? Mais de la pâte, hein. Je ne me dis pas de marque, hein, comme de la pâte Panzani, vous savez, les tagliatelles. J'ai pas de marque, mais j'en ai dit une. Genre des tagliatelles. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ça en direct aussi, des pâtes? Des pâtes fraîches, je parle, moi. Ce n'est pas des pâtes prises dans un sachet et voilà. Faire la pâte à pâte dans le compact cook elite ou pro. Oui, vous aimeriez? Tu verras la pâte Pascal pizza, elle est super bonne. Si elle a fait une pâte ce soir, la pâte à pizza. Elle est bonne celle-là. Hein. Hey. Oui, tout le monde est d'accord pour faire la prochaine fois, on fera la recette de la pâte, mais des pâtes fraîches, des spaghettis. On fera des spaghettis ensemble, vous allez voir. C'est super bon, moi je ne m'arrête pas à en faire hein, avec le compact. Ah oui, la glace framboise, elle est très très, très bonne aussi. Hein. Ouais, ouais. Ben là, si on la fait en direct, il faut de la farine, des œufs. Puis quoi Victor? De l'eau. De l'eau, vous en avez. Hein, un peu de sel. Pour. Un peu de sel et c'est tout. Donc tout le monde a de la farine, de l'eau, des œufs et un peu de sel. On va faire en vidéo et en direct, si vous voulez. Bonjour Émilie. Bonjour chère Émilie. Il reste deux minutes. Ah oui, approche-toi pour montrer que justement ça ne se. Voilà.
On continue. Allez, encore 2 minutes. Et puis en ce moment, on est en préparation un deuxième livre qui va sortir d'ici peu. Je pense que d'ici septembre, octobre. Vous voulez pas de fraîche, une machine spéciale? Nous, on a acheté une machine, vous savez, à main, là, qu'on roule. C'est à l'enfer qu'on roule. Tout simplement. J'ai pas de machine spéciale. Petite machine qui vendent là, tous les grands fasses, ça coûte entre 12 et 15 euros. Donc c'est pas ruineux. Et franchement, vous faites des pâtes. Oh là là, al dente. Je sais pas italienne, mais al dente. Putain, on n'arrête pas de m'en faire en ce moment. J'ai acheté la machine il y a une semaine, je mange des pâtes tous les jours. On fera même des raviolis si vous voulez, des raviolis. Oh, attends, on essaiera. On essaiera. Déjà les spaghettis, déjà. Ça va faire avec la tapenade de champignons. Voilà, vous allez à la grande surface, vous trouvez ça, ça coûte 15, 12 à 15 euros. Je sais que chez Action, vous pouvez peut-être en avoir une aussi encore moins chère. Mais franchement, c'est pas cher. Puis ça vaut vraiment le coup. Hein. Avec la pénurie qu'il y a en ce moment, avec les pâtes. C'est vrai que les gens se battent tous pour des pâtes. Pour des pâtes, alors vous pouvez les faire chez vous. Franchement, c'est ridicule. De la farine, de l'eau, du sel et des œufs. Voilà. Victor vous dira ce qu'il faudra, on fera ça ensemble. À quelle recette bonjour, est française Cécile. Bonjour, bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Mais Victor est derrière, mais. Ouais. Il s'est pas rasé, il ne veut pas se montrer. Si, c'est bon, je suis quand même bien rasé. Donc il reste 10 secondes. Alors, Victor va s'approcher, vous montrer le reste, comment on fait. Vas-y, approche-toi. Hop, on ouvre tout ça. Allez, wow. Approche-toi, caméraman. Regardez comme c'est beau. Je mets carrément la tête dedans. Et là, on va rajouter 200 g de crème fraîche épaisse. Alors, 200 g. Comme. Pour se procurer le livre. Non, mélange pas tout. Il faut. C'est une question. Mélange pas tout. Vous pouvez l'avoir sur www.crea-eu. Victor vous mettra le lien. Alors, je pèse la crème fraîche à part parce que forcément, Lilith n'a pas le pèse. Et là, on va rajouter pour la recette 200 g de crème fraîche. Alors, c'est vrai que je n'ai pas pesé avant. J'aurais dû le faire. J'aurais gagné du temps. Voilà, c'est bon. 200 g de crème fraîche. Prenez la épaisse, hein, c'est mieux. Hein. Voilà, 93, allez un petit peu. Allez, hop, c'est bon. Alors, si s'il y a trop de liquide dedans, vous les égouttez, mais là, il n'y a pas de liquide. Donc, c'est bon, on met tout ça. Allez, de la crème fraîche. 200 grammes. Moi, je racle tout, je ne laisse rien. Puis on va rajouter un œuf dedans. Alors vas-y Victor, tu peux filmer. Un œuf. Alors j'ai pas trouvé parce que je sais que quelqu'un me suit en même temps. J'essaie d'y aller doucement. Du poivre, on en a déjà mis. Une petite pincée de muscade dedans. Après aussi, vous pouvez mettre sur pause. Hein. Si direct aussi, vous pouvez mettre sur pause. C'est vraiment. Mais non, parce qu'il ne sera pas que en même temps que moi. Donc un peu de muscade. Vous pouvez mettre un peu de basilic si vous voulez, mais moi comme j'en ai pas, j'ai pas été courir chercher du basilic. Et là, on va toujours mélanger 3 minutes. Alors je referme le couvercle. Oui, c'est un œuf entier combien, bien sûr. Voilà. Là, on va remélanger 3 minutes. Alors Victor va peut-être pas se rebouger parce qu'il va tout faire tomber. Non, non, j'essaie de venir. Parce que c'est pas évident, on est mélangé avec les fils, les lumières. Vous voyez pas quand il y a des montages. Hein. Mais tous les montages, vous savez, c'est du travail, les vidéos. Hein. 3 minutes. Donc, appuie 2 fois. 3 minutes. Or, sens inverse, je n'ai pas le sens inverse à l'élite. Donc, je mets la palme toujours et vitesse 1. Donc, on y va. Et sans le godet doseur. C'est-à-dire oh. Sans ça. Ouais, sans le godet. Laissez ça ouvert. On va laisser ça 3 minutes.
Je crois que c'est Valérie qui fait ça. Voilà. Bonjour Sophia, bah, gros bisous aussi de nous, de moi et de Victor. Hein. Pas de souci. Victor, serait bien que tu m'enlèves juste devant, s'il te plaît, le trépied, devant le. Juste devant les. Voilà, ça serait super. Voilà. Désolé si je cadre mal des fois, c'est parce que je fais quelque chose en même temps. Donc j'ouvre un petit peu le bol et je rabats tout ça. Valérie, est-ce que ça sent bon? Moi, oui, en tout cas. Est-ce que le livre peut être livré en Tunisie? Ah non. Risque d'être un peu compliqué. Je me renseignerai au niveau des frais d'envoi parce que je ne sais pas trop. Pourquoi j'utilise l'élite, Florence? Parce qu'aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser l'élite, tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui me disent, bah, moi j'ai l'élite, je n'ai pas le pro, je ne sais pas comment faire pour le sens inverse. Celui qui fait ça en élite, fait ça avec le pro sans aucun problème. Voilà. Ce qui change là, c'est qu'il y a la balance et qu'il y a le sens inverse pour le pro, simplement. Voilà, celui qui a l'élite, il peut le faire avec le pro. Voilà. Je préfère expliquer un peu sur l'élite que sur le pro aujourd'hui. Parce qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup qui ont de l'élite. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je ne vais pas faire de jaloux. Hein. Un coup, c'est pro, un coup, c'est élite. Ben, la prochaine fois, ce sera le pro, puis après, ce sera l'élite. Des fois, on fait des vidéos avec l'élite. Voilà, c'est pour ça que parfois, je change avec les vidéos. Pour donner un peu la chance à ceux qui ont aussi l'élite, qui n'ont pas forcément le pro. Voilà. Donc, Valérie, ça va, tu t'en sors? Alors, Valérie, tu prépares des petits raviers comme ça. Moi, je prends des bols, des petits plats comme ça, c'est super sympa. Ou alors un grand plat, hein, si tu veux. Hein. Moi, j'ai préparé ça. Voilà. Et après, on va traverser ça, ce qu'il y a dedans. Dedans. Et là, on prépare le fromage de chèvre et le gruyère, le, voilà, tout simplement. Alors, Mamounette, t'as tout copié? Ou t'as suivi ou t'as pas suivi? Après, il y aura une correction. Hein. L'évaluation. L'évaluation après, pour ceux qui ont bien écouté. Donc, j'ouvre encore un petit peu mon bol et je rabats un peu tout ça. Valérie, tu peux le faire aussi, ça. Hein. Rabattre un petit peu. Parce que quand on cuit, forcément, ça remonte un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Donc, on recuit un petit peu. Il me reste 35 secondes. Combien de grammes de crème fraîche on a, nous, si vous avez pas suivi? 200 grammes. Donc, il y en a qui n'ont pas suivi. Mamounette. Mamounette, t'as pas suivi, Mamounette. Vas-y, redis-moi ce qu'il te faut. 200 grammes de crème fraîche. Ah, tout parfait pour moi. Excuse-moi, Mamounette. Je suis désolée. C'est pas toi qui m'as posé la question. Allez, plus que 5 secondes et celle-là sera terminée comme recette. Il y aura un replay. Comme dit si bien Victor, il y aura un replay. C'est fini. Les crevettes, elles ne sont pas tout à fait cuites. C'est tout à fait normal. Et on va terminer à les faire cuire au four. Voilà. Donc, je ne sais pas faire trop de cochonnerie. C'est du direct. Je suis désolée. Là, je vais prendre mon bol. Alors, s'ils sont en direct avec moi, ils sont en décalé. Victor, ils sont en décalé ou ils sont avec moi? Ils sont toujours en décalé. Le direct, il y a toujours un petit décalage. D'accord. Je vais prendre des petits raviers comme ça. Moi, j'ai pris ça. Je trouve ça sympa. Et on met les courgettes dedans. Regardez-moi comme c'est beau. Donc, on remplit un gros plat ou un petit. Voilà, moi j'ai pris des petits plats comme ça. J'aime bien. C'est plus présentable. C'est, voilà, c'est sympa. Après, c'est une affaire de goût. Hein. On met ça dedans. Nous, on est trois gourmands, donc je vais prendre trois petits plats. Bah ouais. Hein. Voilà. Valérie, tu t'en sors? Ou les autres? Ou les autres, hein, bien sûr. Hein. Mais je sais qu'il y a une cuisine avec moi en ce moment, donc c'est pour ça que je pose la question. Si je vais pas trop vite. Regardez-moi ça, Victor, approche. Alors, c'est vraiment trois beaux petits plans, hein, franchement. Et moi, je n'en laisse pas une miette. Je fais couler
le feu. Devenez vite. Mais c'est pas fini, hein. Et c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je vais ça derrière. C'est le direct. Je vais travailler plus proprement possible. Et là, alors Valérie, c'est bon? Attends, j'ai juste devant le... Ah, les petits plats rouges, c'est sympa, ouais, j'aime bien, moi. J'en ai de toutes les couleurs chez moi. Et là, ah oui, Émilie, peut-être la torta, hein. Je ne sais pas si tu as eu ma recette entièrement. Mais de toute façon, on va le remettre de toute manière. Donc là, quand on arrive là, on prend le fromage de chèvre. Ah, donc moi, j'ai pris de la bûche. Et on va couper des petits morceaux. On va poser dessus comme ça. Alors, tu vas me dire, est-ce que c'est calorique? Un petit peu. Le fromage de chèvre, c'est pas... Mais pour le fromage de chèvre, ordinairement, quand on fait un régime, c'est recommandé. Donc moi, je vais pas... Voilà. On met du fromage de chèvre dessus. Alors, comme vous voulez, hein, plus ou moins, bien sûr. Hein. Des trondelles qui me gênent, là. Oh, elle va pas bien se mettre, celle-là. Voilà. On va remettre un petit peu de fromage de chèvre, là. Voilà, et ensuite, c'est pas fini. On va rajouter de l'emmental. Alors, je regarde là-bas. Là, j'en suis au fromage de chèvre. Voilà, donc là, on prend de l'emmental et on met dessus. Petite couche d'emmental dessus. Regardez-moi ça. Je sais pas si ça vous donne envie. Mais moi, en tout cas, si, hein. Valérie, tu en es où? Ou les autres, hein, bien sûr, s'il y en a qui font en même temps que moi. Donc là, on va le mettre 20 minutes, voire plus. J'ai toujours, moi, quand je dis un temps, ça dépend des fours que vous avez. Il y en a qui chauffent plus ou moins bien. T'as mis le fromage, Valérie? Donc écoute, je vous laisse 2 secondes avec Victor et je vais mettre ça dans mon four à 180 degrés. Voilà, je vais mon micro 2 minutes et j'arrive. Ça va pour l'instant? Là, c'est le direct, hein, donc voilà. Il y a plein de fils partout. C'est galère. D'accord, voilà, m'envoie-y. À peu près au four, je dis à peu près 20 minutes à 180 degrés. Ça dépend toujours du four. Moi, je sais que j'ai un four qui chauffe super bien, donc des fois, je le mets un peu moins. Il y a qui me disent, bah, j'ai un four qui qui chauffe pas bien, donc je mets un peu plus. C'est par rapport à votre four. Voilà, mais minimum, voilà. Je ne peux malheureusement pas faire en même temps, mais j'y reviendrai, c'est sûr. Dis à tout le monde, à très bientôt. Au revoir, Elisabeth. Au revoir. Au revoir, bon appétit aussi à toi, c'est de le refaire. Donc voilà, la première recette est finie. Est-ce qu'il y a des questions pour la première recette? Est-ce que vous avez tout bien compris? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque? Non? Est-ce que c'est bon? N'hésitez pas à me poser des questions hein, pour la première recette, ça va pas. Hein, s'il y a quelque chose qui quelqu'un n'a pas suivi. Qu'est-ce qu'il y a, Victor? Oui, j'appellerai quelqu'un tout à l'heure. Oui, si ça vous fait plaisir, pour ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout, j'appellerai 1 ou 2 personnes, comme j'ai l'habitude de faire d'ailleurs. Et vous laisserez votre numéro de téléphone à Victor. Il va vous donner, oui. Il va vous donner un lien. Une adresse mail. Une adresse mail. Et j'appellerai comme d'habitude, enfin mes recettes, 2 voire 3 personnes. Si je suis folle, 4. Sur l'adresse mail, vous donnez votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Si vous voulez que... Là, je me prépare pour la deuxième recette. Donc, je vais laver mon bol et puis je reviens. Alors, je suis avec Victor, en compagnie de Victor, de très bonne compagnie. Là, Victor, tu veux le micro? Attends, je suis en train de... Je vous donne le mail. Comme c'est bon. Ouais, comme qui.
Je vais rechercher mes ingrédients qu'il faut pour faire la deuxième recette. J'arrive tout de suite, je suis à vous. Préparez-vous pour la mascarpone fraise. Je crois que ça va être encore un délice. Je vais vous dire déjà les ingrédients si vous voulez. Hein? Oui, vas-y, Victor. Je vais vous donner les ingrédients, comme ça ce sera plus simple. Alors il faut 250 g de mascarpone, 200 g de crème fraîche liquide entière, c'est important, 40 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 20 g de jus de citron, 4 cuillères à soupe de liqueur de fraise, c'est facultatif hein, si vous voulez. 500 g de fraises et 150 g de biscuits à la cuillère. Voilà. Comme ça, ça vous permet de vous préparer. Là, on va faire un tiramisu aux fraises. Voilà. Pendant que Francine se prépare. Voilà, voilà. Sinon, ça va, vous m'entendez bien? Oui? Super, alors. Elle arrive. Dans 2 minutes. Je prépare. Un petit peu, c'est le direct, hein, donc... Les vidéos, j'ai pas me préparer, mais là, c'est direct. Alors, c'est pas... Je vais vous dire aussi, en attendant, pour le prochain livre, on fait participer des abonnés s'ils veulent nous envoyer des recettes que eux ils ont fait ou que vous avez fait avec les photos. Envoyez-nous le... Eh ben, je vous passe carrément Francine. Je remballe, je suis en train de renvoyer en même temps. Donc voilà, dans mon prochain livre, j'ai dû mettre déjà j'ai déjà fait un communiqué pour ça. Les personnes qui désirent, alors je travaille en même temps, je suis désolée, je suis en train de nettoyer pour que ça soit propre pour la prochaine vidéo. Ceux qui désirent que je mette leur recette hein, dedans, donc en fait une recette que vous avez inventée, hein, pas une recette que vous avez prise dans un livre, hein, ça m'intéresse pas, que vous aurez inventée, vous m'envoyez une photo de votre recette. Votre recette aussi en même temps, hein, les ingrédients, tout ce qu'il faut, bien sûr, parce qu'il faut la refaire. Et moi, je mettrai ça, il ne faut pas que j'en ai plus 50, hein. J'en ai déjà au moins 3-4 déjà, je crois, hein, déjà des gens qui m'ont envoyé. Et je vais les mettre dans mon prochain livre. Et alors, si vous désirez encore en plus, mettez une petite photo de vous, voilà, et je la collerai à côté de votre recette, tout simplement. Alors, je ne sais pas si ça vous aimeriez ou pas. Voilà, je sais que j'ai déjà des personnes qui m'ont déjà envoyé des recettes avec leurs photos. Et elles seront dans mon prochain livre qui va sortir en septembre-octobre. Mais ça, sachez que ça sera arrêté le 15 septembre. Au-delà du 15 septembre, c'est fini. Je ne pourrai plus accepter de recettes parce que je vais le faire éditer. Okay. Voilà, la recette du Kouglof, super. Super, Eva, Émilie. Et si tu veux même que je te mette ta petite photo à côté de la recette, tu dirais, voilà, recette de Kouglof faite par Émilie. Voilà. Donc, tu auras ta petite photo qui sera là. Si tu veux, bien sûr, mais ça, ce n'est pas une obligation. Hein? Il faudrait relancer aussi du plat. Voilà. Il faut aussi la recette de ton plat. Hein? Quelque chose, tu aurais fait une belle petite photo parce qu'il faut qu'elle soit dans le livre, qu'elle soit jolie, quelque chose de bien, bien arrangé. Voilà. Et vous verrez, ce sera un peu un livre un petit peu familial. Voilà, un livre. Voilà. Et puis, les enfants aussi. Les enfants aussi, Victor a mis aussi mettra un lien, enfin, il a déjà mis le lien d'un coup des coloriages, des petites souris qu'il y a et de Google. Voilà. Si vous voulez faire les enfants un dessin qui a par rapport à ma cuisine, pareil, j'ai certains dessins déjà dans mon livre d'enfants qui m'ont fait des dessins, super. Je vais les mettre dans mon livre, c'est pareil, le 15 septembre, ce sera fini. Hein? Mais à vous, John. Et ouais, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Voilà, je mettrai les photos des dessins dans mon livre. Alors, par contre, Victor vous mettra aussi un lien pour, comment dire, pour le droit à l'image aussi, même pour vous, hein, le droit à l'image.
parce que j'ai pas le droit de faire n'importe quoi et je veux pas faire n'importe quoi non plus. Donc, ceux qui m'envoient leurs photos, que ce soit pour un enfant ou pour un adulte, il faudra aussi le droit à l'image. Donc, Victor a une feuille, vous me les remplissez, vous l'envoyez par email, hein, et puis comme ça, je les mettrai dans un classeur. Alors, je ne vais pas faire n'importe quoi. Hein. Bah, tu fais des belles photos, mais il est contraire, hein, contraire. Si vous voulez plus d'infos, la vidéo, elle est directement sur la chaîne. Voilà, on a fait une vidéo exprès dessus sur la chaîne. Allez voir. Et vous verrez, ça peut être sympa. Ça peut être pas sympa, faire participer un petit peu les abonnés, ceux qui me suivent depuis longtemps. Et moi, ce serait un vrai. Alors, ce serait un super livre. Hein, je ne vous dis pas quoi. Victor a déjà mis déjà le. Il sera assez grand. Il y aura de tout dedans. Compact Cook, manuel, des photos des enfants qui ont participé. Voilà quoi. Donc, soyez nombreux, mais je vous dis à partir du 15, je ne pourrai plus accepter parce que là, je vais le faire éditer. Donc, je pense qu'il sortira courant octobre. Alors, vous avez encore un bon petit mois pour bien le finaliser. Et d'ici courant octobre, je pense qu'il va sortir. Non, enfin, c'est une surprise. Donc, John, il me pose la question, c'est quoi la première recette? C'est un tiramisu aux fraises en virine, en épis de virine. Voilà. Alors, celui qui veut bah, continuer à suivre avec moi, bah, on va y aller. On va commencer à faire le. Encore cette délicieuse recette. Alors, je range un petit peu ce que j'ai plus besoin parce que sinon, ça va être un petit peu le chantier. Voilà. Donc là, il faudra. Victor vous a dit qu'il faudra des fraises. Voilà, mes petites fraises. Il faudra du sucre, vanillé. C'est une super idée, ouais. Il faut le mettre dans le tiramisu de fraises, il faut mettre des fraises. Ah ouais, c'est bah, c'est mieux quand même. Ce serait. C'est mieux mettre des fraises dans un tiramisu de fraises, hein, c'est sûr. Et là, je vais prendre trois petites verrines comme ça. Je vais prendre. Moi, j'ai pris des gâteaux, des spéculoos. J'adore le spéculoos. Celui qui n'aime pas ça peut faire aussi des petits biscuits, hein, des petits beurres, des petits. Tout ce que vous voulez. Voilà, ce que vous aimez. Pâte maison, oui. Alors, vous êtes prêts? On y va, on va pas faire un trou pour celle-là. Aussi, on Hein? y On fait va. un trou, Victor, dit qu'on fasse un trou. Bah, on Allez, refait un trou. on fait tous un trou. Allez, on y va? Un, Un, deux, deux, trois. trois, intro! Intro pour la deuxième. Alors l'intro. Hein? Allez, intro. Tout le monde intro. Allez, Sinon, je démarre pas. Sinon, je ne démarre pas. C'est bien. Tout le monde me suit. Intro. Donc, on va commencer par mettre 250 g de mascarpone pour qu'elle soit bien fraîche dans le Compact Cook Elite. Donc, je mets sur zéro. Et 250 g. Alors, comme moi, j'ai fait. Ça, c'est pour 500 g de fraises. Moi, j'ai pris 250 g de fraises. J'avais que ça dans le jardin. Je vais prendre la moitié. Je prends 125 g de mascarpone. Donc, je prends à peu près la moitié de la boîte. Voilà. Ça, c'est pour 250 grammes, hein, de fraises. Voilà. Il y en a qui la font en même temps que moi? Ce serait bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait en même temps que moi la recette? Je serais curieuse de savoir. Non, personne? Oui, t'as raison. Tu vois, je discute, je discute, je discute. Anne, et c'est vrai qu'on doit mettre la palme de mélange. Alors, je vais la rechercher. Elle est là-bas au fond. On discute et puis moi, je fais n'importe quoi. Je mets la palme de mélange. Là, qui suivent, c'est bien. Moi, je discute et voilà, je fais des bêtises. C'est comme ça. Et là, je vais rajouter 100 grammes, 200 grammes de crème fraîche. Alors que celle-là, il faut qu'elle soit liquide. Liquide. Donc 200 grammes, moi je vais mettre 100 grammes parce que j'ai mis la moitié. Je vais reprendre ma balance. Celui qui a le trou, il n'a pas ce problème là. Il n'a pas Le ce. micro, il veut tout. Ah, mon micro. Ton micro, excuse-moi, excuse-moi. Merci d'avoir dit. Merci de l'avoir dit. C'est souvent que j'oublie, même dans les vidéos, des fois. Des fois, on est obligé de recommencer. Enfin, j'ai la balance qui vient de me lâcher, Victor, super.
Ah, si c'est bon. Oh, c'est pas bon. Je sais pas si c'est bon, mais une balance qui est en train de me lâcher. Ah ouais, il va falloir que je recherche de bon, 100 grammes à peu près, je vois à peu près ce que ça fait. Donc j'ajoute à peu près 100 grammes de crème liquide dedans. Voilà. Moi, à vue d'œil, je vois à peu près parce que j'ai l'habitude. C'est bon, Victor, là? Tu suis dedans? Alors, c'est la crème entière, hein. Je vais mettre 10 grammes de sucre en poudre. Alors, tout c'est préparé avec un sachet de levure. De levure, n'importe quoi. De sucre vanillé dedans. D'accord, c'est bon jusqu'ici? Et là, on referme le compact. Cook, comme dirait mon petit-fils. Et on va mettre 3 minutes. Alors, Victor, tu peux rester de côté. Je pense que les gens connaissent. Hein. 3 minutes. Oh, c'est pas trop. Ça bougeait, Victor. 3 minutes. 30 secondes. À 30 secondes. Non, je me trompais. 3 minutes. Vitesse 3. Oh là là. Ça fait la journée. Hein. Vitesse 3. Et c'est parti. Puis on augmentera jusqu'à la vitesse 4. On va le faire un petit peu déjà comme ça. Entière. La crème fraîche. C'est même la crème fraîche entière, ouais. Ouais. Et moi, je vais peut-être plutôt mettre, excuse, mais je vais mettre le fouet. Je crois que ça sera 100 fois mieux. On va pas s'en sortir aujourd'hui, je sens. Je vais mettre le fouet, moi. Je suis désolée. C'est les aléas. Le fouet, ça sera 100 fois mieux. Voilà. Hop, c'est reparti. Là, il y a du direct. Un micro. J'ai mis le fouet à la place, c'est à 100 fois mieux pour mélanger. Oui, c'est la crème entière. Voilà. Liquide. J'ai pas de chiffon. Le chiffon derrière toi, s'il te plaît. Donc, quand on va arriver à 2 minutes, le temps et la vitesse. Faut changer le temps et la vitesse. Quoi? Le temps et la vitesse. Le temps c'était 3 minutes, vitesse 3. Il faut augmenter progressivement jusqu'à vitesse 4. Donc, moi j'arrive à 1 minute et demie. Je vais l'arrêter. Et je vais vitesse 4, augmenter un petit peu. Sous vitesse 4, s'il veut bien. Voilà. C'est parti. Pour augmenter au fur et à mesure un petit peu la vitesse. Ça va jusqu'ici? Je me suis trompée, j'avais mis la palme, le mélange, surtout pas à mettre le fouet. C'est une erreur. Eh oui, je suis pas parfaite, hein, je fais des bêtises. Eh oui, ouais. On va bien manger ce soir, je penserai à vous ce soir. C'est dommage que vous ne l'ayez pas fait ensemble. Dommage. Pas grave, vous allez faire plus tard. Vous allez faire après, pas de soucis. Je vais en deuxième bol, moi. En attendant, j'ai deux bols donc ça ira plus vite. Andy, c'est celui qui a commandé le livre. Hein? Andy, c'est celui qui a commandé le livre. Andy, Andy. Andy, tu as commandé mon livre. Tu as fait des recettes dessus déjà? Est-ce que tu as déjà fait des recettes dans mon livre? Donc là, je le retire. Oh, elle est vraiment belle, ma crème. Hein. Regardez-moi ça. Waouh! Je vais rechercher. Oh, j'oublie toujours la moitié des choses de côté. Non, c'est bon. C'est ce qu'il faut.
Voilà. Et là, on met ça pour l'instant de côté, dans un bol. On va remettre au frigo. Qu'il faut que ce soit bien froid. On récupère tout, moi, parce que je ne laisse rien dans le bol. Voilà. Et ça, il fallait remettre ça au frigo. Donc, je vais encore m'absenter. Bah, ça le dira direct comme ça. Je reviens. Merci, Marie-Anne. Merci, Anne-Marie. Merci, Isabelle. C'est très gentil. Direct, hein, il faut se s'absenter. Anne-Marie, c'est où Anne-Marie, je sais plus moi. Non, je peux pas mon temps. Non. Tu as déjà. Attends, ah, je suis plus Victor. Tu es déjà adorable de perdre du temps un dimanche pour nous faire une succulente recette et de remercier de tout cœur, bien sûr, ce caméraman. Ah oui, mais caméraman, j'aurais moins dit, t'as mon caméraman. Hein. Rien sur lui, moi. On est des binômes. Merci beaucoup, Aminette. C'est super. Elle n'entend pas. Merci, Anne-Marie. C'est super gentil. Je parle sincèrement, c'est un plaisir. C'est pas une corvée de faire des cuisines dimanche. Et puis là, c'est là où il y a plus de monde qui peut suivre. Merci, Isabelle. C'est gentil. C'est vraiment gentil. Ah, elle est belle, la crème de diplomate. Elle est super bonne. Ouais. Donc là, on revient au mouton. Hein? Et là, on va mettre. Alors, moi, j'ai mis 250 g de. J'essaie de suivre. De fraises. J'ai mis que 10 g de sucre. Donc, on reprend le bol. Et là, je vais remettre le couteau. Si je ne me trompe pas. Et j'ai mis à peu près 10 g de sucre dedans. Alors, je vais prendre une cuillère. On met 10 g de sucre dedans. Alors, Victor, vas-y. Une cuillère à soupe à peu près. Voilà. 10 g dedans. Là, on va rajouter les fraises. Alors, moi, je mets 125 g de fraises. Vas-y, Victor. 125 g de fraises. Je vais rajouter mon petit citron qui est juste. Ouf. Voilà, il est là. Alors, j'avais dit qu'à peu près, voilà, comme 250 g de fraises, je mets 10 g de citron. Donc, je fais à peu près la moitié parce que j'ai fait 20 grammes. Voilà. Et ensuite, on va pulvériser tout ça. Alors, attention. Hein. Pulvériser, ça ne va pas rigoler. On peut mettre un petit peu de liqueur de fraise aussi dedans. Moi, comme j'ai des enfants, enfin, j'ai des grands-enfants, je vais plutôt mettre du sirop de cerise. Alors, je vais mettre un tout petit peu de sirop de cerise dedans. Alors, sinon, vous pouvez rajouter... Du sirop de fraise. Non. Oh non, c'est du... Oui, du sirop de... Ou cerise ou fraise, comme vous voulez, c'est du sirop de fraise. Et là, vous mettez 4 cuillères à soupe. Ils disent de liqueur. De fraise, et moi, je mets de la cerise. Du sirop. De fraise, excusez-moi. J'ai avec la cerise, moi, aujourd'hui. Hein. 2 cuillères à soupe dedans. Dedans, je rajoute. Voilà. De fraise. Je répète bien. Voilà. Et là, on va pulvériser ça. Alors, pour pulvériser, je vais le faire que ce soit propre parce que c'est vrai que je travaille comme une cochonne. J'en ai partout. Ouais, c'est pas facile le direct. Là, on va pulvériser 30 secondes à vitesse 10. Alors là, ça va y aller. Victor, viens voir. On met 30 secondes. Vitesse 10. Et là, on pulvérise.
peu moins parce que moi, comme j'ai 250 g de fraises, je vais faire un petit peu. Je vais rabattre un petit peu à l'intérieur parce que tout est au bord. Allez, tout est au bord comme ça. Hop, on rabat tout ça. C'est reparti. Ça rigole pas, hein. Alors, je discute pas parce que sinon on m'entendait pas, donc c'est pas la peine. Donc on regarde tout ça. Hop. C'est une bonne cuillère de fraises. Je mets ça derrière. Oui, vas-y Victor, fais ce que tu peux parce que c'est vrai que direct, c'est pas toujours évident. Et là, on met ça dans un bol. Hop, on racle tout ça. On ne garde rien. Hein. On ne perd rien du tout dedans. Voilà. On va arrêter le compact l'élite parce que là, j'en ai plus besoin pour l'instant. Et je vais récupérer ma mascarpone qui est au frigo. Donc, je reviens. Je vous requitte et je reviens. En même temps, je vais voir mon gratin aussi qui est en train de cuire. Parce qu'il faut y penser aussi à ce qu'on vient de faire à l'instant. Je sens que j'arrive. Allez, hop. Si vous voulez, donnez-nous des idées de recettes pour les prochaines vidéos. Ce que vous voulez qu'on fasse. Comme ça, on aura quelques idées. Super bon, par exemple. Valérie, c'est Valérie qui me suit, qui l'a fait, mon avis, elle doit sentir l'odeur aussi. Non, Valérie. Donc, je suis venue récupérer ma mascarpone, mon petit coulis de fraises, mes fraises, et puis mes petits spéculoos qui sont là. Alors, vous pouvez prendre juste que des spéculoos, hein. Je vous dis, prenez ce que vous voulez, hein, ce que vous aimez bien. Moi, j'aime bien le spéculoos. Un bon petit goût dans les tiramis dessus. Donc là, j'ai récupéré 3 verrines. Est-ce que jusqu'ici, ça va? On a fait les macros, c'est comment je l'ai fait, moi, Andy? Moi, j'ai fait au barbecue, moi. Barbecue, dans papier aluminium. Mmh. Par contre, ça sent bon, le gratin, là. Ah, le gratin, Valérie qui l'a fait. Je ne sais pas si Valérie est toujours là. Mais elle doit sentir bon comme moi dans la... J'ai l'impression que ça bug, Victor. Ah, j'ai l'impression que ça bug. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Ah, qu'est-ce qui se passe? Personne. Parce que j'ai l'impression que ça bug au niveau de l'informatique. Ouais, bah, je reprends leur direct parce qu'apparemment, je sais pas, ça avait un petit peu bugué. Ça sent bon, hein, oui. Hein. Donc là, on va faire le montage des petites verrines. Donc, on commence à mettre voilà, des spéculoos au fond. Alors, nous, on est trois toujours à manger ce soir. Je prends 3 verrines. Oh, j'ai tout mettre, hein, moi. Oh, j'en laisse pas. Hein. Ça bug, Valérie. Hein? Ça bug pour Valérie. Oui, ça bug. Je sais pas ce qui se passe, là. Un peu flou. Ah, je sais pas, ça bug, Victor. Ouais, c'est vrai que la couleur est moins belle. Je sais pas ce qui se passe. C'est bon. C'est bon? C'est mieux? Tu pourrais m'enlever ça devant, s'il te plaît, Victor. Ce serait bien. J'ai pas besoin. Là, on va mettre
De la fraise. Alors, un petit peu de fraise. En sac verrine. Un peu de mascarpone. Ordinairement, je prends un petit. Vous savez, des petits. Je cherche le nom là. Ça bug ici. Ça bug aussi? Oh mince. Sais pas pourquoi. Ça bug toujours? Est-ce que vous voyez ou pas? Ça ne me réveille pas. Affine un petit peu les verrines. Ça donne faim, Là, j'ai ajouté, alors je reprends une cuillère, j'ai ajouté un petit peu de coulis de fraise. Ça bug toujours ou ça va? Tout va bien. Tout va bien? Ah ben c'est bien alors. Bon, s'il y a un petit peu de liqueur de frais, c'est vrai que ça doit être pas mauvais. Là, on va rajouter un petit peu de mascarpone ou un petit peu de fraise. Allez, hop, soyons fous. Un peu de fraise. Elles sont grosses, mes verrines. Hein. J'aurais peut-être dû en prendre des plus petites, hein. Mais c'est pas grave. Voilà. Puis là, on va rajouter une petite couche dessus de mascarpone. Vraiment pour terminer. Vraiment pour le fun. Voilà. Et moi, je vais rajouter, comme je suis une petite gourmande, je vais rajouter des petits spéculoos. Et mettre ça au frais. Allez, une bonne heure avant de déguster. Regardez-moi ça. Je vais pas la gourmande, j'ai pas mangé devant vous, je suis pas impoli. Mais faites-le. Un dîner de roi. Eh ouais, je vous aurais bien tous invités. Mais malheureusement, c'est un petit peu loin. Voilà. Pareil, un jour, j'ai une idée, mais c'est pareil, si quelqu'un n'habite pas très loin de chez moi, s'il habite, parce que moi j'habite à Reims, pas loin des alentours de Reims. Si quelqu'un veut faire une vidéo avec moi en direct, venir cuisiner comme là, ou alors faire une vidéo, carrément mettre dans ma chaîne YouTube, ce serait un réel plaisir de vous rencontrer. Voilà. On se lance un appel. Si quelqu'un un jour passe hein, dans le coin de Reims, venez me voir et on fera une vidéo ensemble. Pas bien, Isabelle, je t'attends. Il n'y a pas de souci à manger. Alors, je vais chercher mon gratin dans le four. Parce qu'il y a les spéculoos, il y a les fraises, mais aussi le gratin qui m'attend là-bas. Je vais aller le chercher. Sans me brûler les mains. Regardez-moi ça. Je vais pas mettre ça dessus parce que j'ai peur que ça brûle. Pas très très. Voilà. Dans le quoi je peux mettre ça parce que c'est chaud quand même. Voilà, mettre ça dessus parce que c'est chaud quand même. Regardez-moi mon petit gratin de courgettes qu'on a fait tout à l'heure à la chèvre. Chèvre et emmental. Ouais, mais voilà, on fait autre chose, je sais pas, j'avais déjà eu ce problème là, moi.
En Alsace, ah oui, t'es en Alsace, 3. 3, c'est pas si loin que ça, Moselle. D'accord. Merci Anne-Marie, je crois qu'on va se régaler. On va se régaler. Alors j'espère que ça vous a plu, ces deux recettes. Faites-les, parce qu'il y en a eu deux. Et dites-moi un peu ce que vous avez pensé, si ça vous a plu ou pas, si vous avez aimé. Si... Alors on va regarder un petit peu l'aspect du gratin, mais oui, il est bien cuit. Je crois qu'on va se régaler. Donc, il y a aussi un tirage au sort. J'ai envie de vous dire, mardi 1er, il y a un livre et une tasse à gagner. Alors, Victor vous remettra le lien. On a au moins une centaine de personnes à vouloir participer. D'ailleurs, c'est super. Et on fera un tirage au sort. À quelle heure, Victor, mardi? Je sais plus. C'est plus. Faudra que Bon, je il regarde. regardera ça, on redira ça. Il y a deux. Il y a une vidéo exprès sur la chaîne. Voilà, sur la chaîne, il y a une vidéo exprès, me dit Victor. Donc, on fera un tirage pour une tasse et pour un livre. Donc, il y aura deux personnes qui pourront, plein de personnes qui pourront participer. D'à côté, eh ben, arrive Sophia, pas de souci. Tu veux qu'on fasse une vidéo ensemble? Mamoun, 6, 5, 5 quoi? 6 personnes, 5 personnes? Alors, est-ce que quelqu'un veut que éventuellement je fasse un tirage au sort pour appeler quelqu'un en direct là? Oui, j'aime À bien chaque voir. fois, je le fais toujours un petit peu, voilà, pour essayer de connaître certaines personnes qui me suivent. Puis, il y a un plaisir de les avoir un petit peu aussi en ligne. Est-ce qu'il y en a là qui veulent que je les appelle? Oui. Donc, Victor, je crois qu'il a une paire de numéros. Victor? Alors vas-y, on va appeler quelqu'un si elle est encore là. J'attends Victor, il va me le dire. Tu appelles qui, Victor? Tu me dis pas? Ce sera la surprise. Alors, vous êtes prêts au téléphone? Je vais l'appeler. T'as combien de numéros, Victor? D'accord. C'est bon? Allez, quelqu'un. On va mettre le micro à côté du téléphone. Voilà. Si la personne répond, bien sûr. J'appelle quelqu'un en direct. Est-ce qu'elle est là? Valérie. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 07. Ah, désolé, on n'a pas répondu, donc je vais rappeler quelqu'un d'autre, vas-y. J'ai personne d'autre qui va donner son numéro de téléphone? Victor, de donner un lien à l'instant, si vous voulez que je vous appelle, laissez-moi votre numéro de téléphone, je vous appelle dans les 2 minutes qui suivent. Mamounette, t'as pas de numéro de téléphone, Anne-Marie? Tu veux que je t'appelle, laisse le numéro de téléphone à Victor et puis ben, je te rappelle. Voilà. Ou alors Isabelle, Émilie, ceux qui désirent, bien sûr. Oui, c'est Valérie. Bonjour, c'est Francine. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ben, ça va. C'est vous qui avez fait en même temps en direct avec des courgettes avec moi? Oui. Alors, elles étaient bonnes? Pas bonnes. Ben, L'odeur. elles sont encore en train de cuire. L'odeur est pas mal. L'odeur est pas mal, hein? Oui, je suis étonnée. Comment? J'ai dit, je suis étonnée. Étonnée de. Ben, qu'on m'appelle. Bah, laissez votre numéro de téléphone. Alors, pourquoi pas? Ben oui. Je fais toujours ça un peu en direct parce que quand j'ai les personnes qui me suivent jusqu'au bout, donc j'essaie d'appeler deux, trois personnes, ceux qui me laissent leur numéro de téléphone. Voilà. C'est bien que vous puissiez participer comme ça me fait plaisir, hein, sincèrement.
Ben, c'est la première fois que je participe, donc ça fait pas longtemps que j'ai le compact coupe, donc. Ouais, c'est un très bon appareil, hein. Très très bon, hein. Ouais, ça fait plaisir toujours de voir des gens qui s'intéressent à la cuisine. De nos jours, c'est très rare. C'est ça. Il faut avoir le temps surtout. Oui, il faut avoir le temps, oui, bon, on peut se prendre un peu le temps, hein. Vous voyez, là, ça prend pas beaucoup de temps et puis c'est un plaisir de travailler comme ça avec tout le monde. Hein? C'est agréable. En fait, c'est des Voilà. recettes que je connaissais pas trop, donc c'est parfait. Voilà, vous verrez, sur mon site, il y a plein, plein de recettes. Plein de recettes. Donc, il n'y a pas de J'ai souci. déjà commencé à regarder sur le site. C'est vrai que j'ai gâté des petites choses qui m'ont bien aidé, donc là. Ah, super. Super. Mais le but, c'est ça, hein, c'est d'aider les personnes à se À lancer un peu. découvrir Voilà. l'appareil. À se lancer avec l'appareil. Voilà. C'est ça, c'est C'est ça. un peu ce but-là, quoi. Voilà. Bon, je dis pas que je sais tout non plus, hein, mais voilà, si je peux aider, je le fais. Pas de souci. C'est déjà très gentil de votre part. Voilà. Bon, bah, je vous laisse une bonne soirée, une bonne dégustation. Hein? Ça marche. Et Pareil bon pour vous. Et bon puis, fin de journée. on fait souvent des directs comme ça. Voilà. D'accord, ben merci beaucoup. Merci bien. Au revoir, Valérie. Au À revoir. bientôt, au Bon revoir. appétit. Et mais ils ont eu mon numéro comment? Bonne soirée, Émilie. Donc, personne ne veut que je la rappelle? Non, Victor, peut vous redonner vite fait le lien et dans 5 minutes, on quitte. Donc, voilà, si vous voulez, ou Isabelle, n'importe qui, il n'y a pas de souci, il y a le lien. Il est où le lien, Victor? De Le quoi? lien pour que les gens puissent laisser leur numéro de téléphone. Je vais le donner. Et voilà, vous le redonnez. Et puis après, dans 5 minutes, on se laisse, hein, on se quitte, hein, parce qu'il y a voilà, des bonnes choses ont une fin. Et puis on s'en donnera rendez-vous pour, je vous dis, on fera la pâte, à la, des pâtes fraîches avec le compact cook. Voilà. Victor mettra la recette. Préparez-vous, on fera ça ensemble. Voici, je vous donne le Alors, il vous lien. redonne le lien. Si quelqu'un veut que je l'appelle. Sinon, on se laisse. Et puis, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Je vous laisse encore 8 minutes et après je raccroche, je vous laisse. Voilà. Comme vous voulez. En tout cas, merci d'avoir suivi avec moi. Merci, merci beaucoup Anne-Marie. À la prochaine fois, j'espère. Andy, merci aussi. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, merci à Voilà, tous. merci à tous et puis à la prochaine vidéo. Voilà. Allez, bisous. Des gros bisous à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, merci. Bonne soirée. Je quitte.